Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Si vous êtes là, si vous êtes connectés, faites-moi signe. Je vous attends. Je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Faites-moi un petit coucou pour voir si nous sommes connectés ensemble. J'attends que vous me faites signe. Ok, ok, c'est bon. Je vous attends en musique. Bonjour, la Sigof. Bonjour, Guy Baguette. Bon, mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Voilà, donc nous allons commencer. Et rapidement, bonjour Lassido. Bonjour Bakila. Rapidement, je vais vous montrer une vidéo. Et après la vidéo, nous pourrons maintenant discuter. Je vous parle de l'ingratitude des gens, des freins qui empêchent la sape d'aller de l'avant. Parce que nous avons des égos surdimensionnés, tout le monde veut être meilleur, tout le monde veut être le premier, alors que la Bible nous dit que les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Mesdames et messieurs, pardon, excusez-moi. Bon, voilà, je vous montre, je vous parle toujours d'Elvis Makwezi. Hier, je vous ai dit que j'étais en train de faire la publicité de ce magazine qui est là. Le magazine Griffe, ça c'est le deuxième numéro. Alors, comme je vous ai dit que je considère le Elvis et Makwezi comme un frère maintenant. Il a ce business là, il a un topo, on l'appelle, lui il est payé pour ça, moi je ne suis pas payé,
Je lui dis tout simplement s'il peut me donner l'autorisation de m'immerger, c'est-à-dire que je voulais faire un documentaire à l'intérieur. Ce documentaire, c'est moi qui paye de mon argent parce que j'ai envie des archives. Alors j'appelle Guy Fayel et c'est moi qui va payer. C'est vrai qu'à un moment donné, il me manquait 100 euros pour payer Guy Fayel. Elvis et Jamakwezi m'avaient donné 100 euros pour compléter ce que j'allais payer à Guy Fayel. Mais c'est mon idée, c'est ma façon à moi de faire. Ce n'est pas la première fois que je fais un documentaire sur la SAP. Ce n'est pas la première fois. J'en ai fait beaucoup. Alors, j'appelle mon petit, vieux français, je lui dis, petit, viens avec moi à la gare du Nord. Et j'appelais Guy Fayel pour qu'il vienne à la gare du Nord, pour immortaliser ce moment-là, pour qu'il y ait des archives. Là, nous sommes à la gare du Nord. Le voilà qui arrive. Je fais avec mon neveu. Voici le magazine Griff. Je vais faire la pub gratuitement. Bon, mesdames et messieurs, nous allons aller pas à pas. C'est lui le dictionnaire de la SAP. Et ça, c'est le premier numéro de Griff. Celui que vous voyez là, c'est le premier numéro de Griff. Il est sorti. Et lui, on l'appelle maintenant pour le deuxième numéro de Griff. Et le deuxième numéro de Griff, comme lui, il a déjà écrit le dictionnaire de la SAP. Il vient de faire une conférence Brazzaville. Donc, on lui demande maintenant de ramener de la SAP dans le deuxième numéro de Griff. Ça, c'est le premier numéro qui vient de sortir. Donc, Griff veut sortir le deuxième numéro. Il a besoin de sapeurs. Donc, on fait appel au dictionnaire de la SAP. Le dictionnaire de la SAP m'appelle. Je fais mon reportage à l'intérieur. Je me dis, je vais m'immerger. Donc, je vais faire un documentaire.
Comme je vous dis, je roule pour la SAP. Je me dis, il faut que je puisse comment immortaliser ce moment-là. Un ami que je considère maintenant comme un frère va animer Natacha, la grande puissance, bonjour. Donc, va animer un magazine de SAP. Je dis, on y va, comme ça aussi, je veux aussi apprendre comment se fabrique un magazine. Comment se fabrique un magazine. Je vais à la gare du Nord, je le prends, et puis on va partir. Bon, je vous dis ça pour vous dire ça, c'est le premier numéro. Maintenant, dedans, il m'avait demandé de lui ramener des sapeurs. Donc, j'ai fait appel à mon neveu, j'ai fait appel à vieux français. J'ai fait appel à Filizoni, j'ai fait appel à un garçon qu'on appelle Archdondi, qui m'a été présenté par Nyanya Nyangeton. Donc après, je vais couper et je ramène la vidéo ailleurs. Voilà, là nous sommes à la gare du Nord. Bon, je coupe là et nous allons partir. Nous allons démarrer et voilà, là je dis il faut qu'on reste unis derrière lui. Bon. Mesdames et messieurs, vous voyez le fait? Je suis en train de faire la pub pour un magazine que je ne connais pas et je ne suis pas payé. Je lui ai seulement dit de payer mes petits. Moi, je ne lui ai rien demandé par amitié. Ce sont les coulisses que vous ne connaissez pas. J'ai attendu pratiquement avec ça. Pratiquement 2 ans et demi pour vous en parler. Maintenant, on va démarrer. Nous allons démarrer. Là, nous sortons de la gare. Nous continuons de faire la publicité. Et là, nous sommes arrivés avec lui, là où il a donné rendez-vous à tous les sapeurs.
Nous sommes arrivés. Vous verrez ce qui est à l'intérieur. Et Kanga Chumu est là, mesdames et messieurs. Je rentre dans la salle. Où on a rendez-vous avec tous les sapeurs. Et Kanga Chumu, celle qui va organiser. La musique est à moi. C'est le Zioni que je viens d'amener. Je vous ai montré le photo hier et le riche Keter. Chardel Mansanga, je vous ai montré le photo hier. Le roi Batiké. Que je retrouve après tant d'années. Et le riche, c'est les aînés d'Alizium, le Tatanzan, Trésor Ngando, Arch Dandy. Il y a du monde, vieux français, comme Bologna, Nogosona Ikembe GPS, qui est toujours là. Bon, écoutez ce qui va se passer maintenant. N'a pas de limite et ça se complète. Chacun ajoute à l'intelligence. Ouais, des paroles. Tous les conseils, toutes les suggestions seront les bienvenues. Donc, et puis pour les gars, avant peut-être que tout le monde, hein, on va se présenter, au moins on va faire un tour, se présenter pour que les gens savent qui est.
il a aussi la chaîne qui est libre. Voilà. Écoutez les... C'est chaud. L'homme qui marque la différence, là où je mets, là où je mets qui. Une fois de plus, l'homme qui a fait plus de 80 voyages wow. en matière de la SAP. L'international Poutine congolais, l'ambassadeur congolais en matière de la SAP. Le neuf qui vivra verra. Annick Bertin, général CNC, créateur du ministère de
directeur du ministère de la SAD parce que aujourd'hui il y a le dictionnaire de la SAD. Si aujourd'hui nous sommes là avec tout ce monde là réuni, c'est pour dire que la SAD est devenue universelle. Donc il fallait un ministère. Et ce ministère, c'est pour mettre en valeur tous les amoureux de la SAD. À travers la SAD, nous allons développer non seulement l'Afrique, mais nous allons aussi développer aussi les deux Congos. Parce que quand on parle de la SAD, on voit les deux Congos. N'oublions pas aussi, je pensais pour ceux qui ont commencé ce mouvement, qui ont popularisé ce mouvement, je cite Papa Wemba, je cite King Kester et Menea, et bien sûr, il y a aussi Cartouche, tout ce monde-là, qui ont participé pour que ce mouvement soit popularisé. Annick Bertin, général Filenze, ministère de la Santé. Du célèbre Tana FIFA appelé le DDR 5. Je suis le timonier de la SAP contemporaine de la grande famille coloniale de CBG Bonchik. Bonjour. Sur la main, nous la rappelle à Boulangouma tombe par une fille. Vieux français. Merci. Bon. Mesdames et messieurs, bon voilà, le décor est planté. Les sapeurs se sont présentés avec leur CV. Je viens de ramener mon neveu qui a 15 ans, qui veut voir sa star. Le 9, sa star, c'est Norbert de Paris. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de problème. Viens comme ça, tu verras ta star. Ça, ce sont les coulisses, mesdames et messieurs. Ce sont les coulisses. Les sapeurs se retrouvent pour l'événement du lendemain. Là, nous sommes un vendredi. Et le lendemain, c'est le samedi. Ce serait la nuit de la SAP. Mais il y a un problème de cachet. Maintenant, je vais vous ramener maintenant une vidéo de la nuit de la SAP. C'était la présentation, le moment du district argent. Voilà, ce sont des coulisses que je voulais filmer. Vous pouvez regarder la vidéo entière. Pour le programme de... Vous voyez, mesdames et messieurs, comment j'ai mis toute mon énergie pour celui que je considérais comme un frère. Le dictionnaire de la SAP. Elvis et Gemma Quincy. Je vous montre maintenant la nuit de la SAP. Nous n'avons qu'en 6 minutes. Là, c'était le vendredi. Maintenant, vous avez samedi,
Nous sommes à la nuit de la SAP. J'appelle encore Guy Fayel pour qu'il puisse venir réaliser. Et c'est encore moi qui paye. Voilà, là on s'est changé. Nous sommes samedi maintenant, la nuit de la fête. Nous y sommes. C'est encore moi qui réalise avec mon argent. Voici les sapeurs. Bon, mesdames et messieurs, nous sommes maintenant, samedi, nous sommes à l'hôtel Hoche, nous ne sommes pas loin des Champs-Élysées. Et on est en train de nous dire que la nuit de la SAP est annulée. C'est pourquoi je vais intituler, c'est pourquoi j'avais intitulé cette vidéo, la nuit de la SAP annulée. Elle est maintenant annulée. Donc les coulisses que j'avais mis, les coulisses de la nuit de la SAP annulée. On vient d'apprendre que c'est annulé. Et personne ne nous a rien dit depuis toute la journée jusqu'à 19h, 20h, 21h, 22h. Nous nous sommes habillés, on arrive, on nous dit que c'est annulé. Et Kanga Chungo, la directrice, a fui le cachet des sapeurs. Il y avait trop de stars et chacun demandait son cachet. Badjo que c'est patron. Trop de stars, vous avez entendu, Filozoni d'Alusoni. 79 retours.
Et Kanga Shungu Akimi, elle n'a pas l'argent pour payer toutes ces stars. Alors, et Kanga Shungu ne vient pas, elle a téléphoné que la nuit de la SAP est annulée, mesdames et messieurs. Ce que je viens de dire, quoi? Pourquoi je parle de ça? Mes petits ne sont pas payés. Je reviens sur ce que fait Elvis et Jamakwezi. Là, mes petits ne sont pas payés. L'officiel de la SAP que je viens de faire avec lui au moment où il était à Londres, au moment où je... mes petits ne sont pas payés. Ça fait deux fois que mes petits ne sont pas payés. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, Filizen a refusé de venir dans le magazine. L'officier de la SAP m'a dit, mais grand monteur, on fait à quoi la première fois? J'ai eu de difficultés pour amener les sapeurs. Parce qu'il y a déjà un premier différent qui est là. La nuit de la SAP annulée, mesdames et messieurs, les sapeurs ne sont pas payés. Et quand la chambre n'est pas, alors tout le monde se tourne maintenant vers Elvis. Parce qu'ils n'ont pas de problème avec Kanga Shungu. C'est Elvis. J'ai ma coincé le dictionnaire qui leur a appelé. Maintenant, écoutez ce qui va se passer.
en charge de réunir tous les sapeurs. Et puis l'autre partie est chargée de la salle. Tous les partenaires étaient déjà là. Il s'avère que de notre côté, quand même, de notre côté, nous avons assuré la preuve que vous êtes là. Vous êtes parmi les sapeurs qui devaient donner une prestation. Et nous avons fait ce qu'il fallait faire. Malheureusement, comme vous, venant de découvrir que la soirée a été faite. Et Kanga a fui. Je ne veux pas dire que c'est pour la croix, je vais aller vous faire ce que je veux. Et la croix fait tout, comme il est presque.
manif. Donc, en fait, s'il faut résumer le fond de sa pensée, il faudra vraiment accomplir la chose promise, quoi, comme le forfait. Symboliquement, et après, voilà, ça peut apaiser les spectateurs, chacun pour attendre le prochain maître. Mais sinon, on aurait même du matériel pour renoncer les gens. Mais des fois, la place que le prochain maître a dit, laisse-moi avec vous. Bon, mesdames et messieurs, je vais couper un peu. Voilà, donc, les sapeurs ont trop demandé. Les sapeurs ont fait fuir Ekanga Shungu. Ekanga Shungu se disait peut-être que LVCG Makwezi tenait les sapeurs. Donc, ils pouvaient d'abord défiler et on pouvait leur donner un forfait. Mais comme nous ne parlons pas d'une seule voix, comme chacun veut revendiquer son statut, eh bien chacun a revendiqué, chacun a demandé par rapport à sa dimension, sa palme. Et finalement, la dame ne s'est pas retrouvée. Nous n'avons pas de syndicat. Nous ne sommes pas représentés. Il n'y a pas qu'une personne qui parle tout le monde. Tout le monde parle pour lui-même. Nous sommes en train de mal gérer la SAP, la malgérance. Voilà là où ça nous amène lorsque vous avez les intellectuels qui sont là, qui veulent gérer la SAP. La SAP est mal gérée, elle est mal gouvernée par les intellectuels. Il faut restructurer, c'est ce que j'avais dit, pour que nous puissions parler d'une seule voix. Et quand Shungu a fui, la soirée est annulée. Les sapeurs sont en train de demander ne fût-ce qu'un forfait. L'idée à la congolaise va péter un câble. Je vais avancer. Et puis après, nous allons terminer. Thank you.
Bon, mesdames et messieurs, je vais avancer. Bon, les sapeurs commencent à sortir. Voilà. Nous avons fini. Les sapeurs commencent à sortir un à un. Nous allons clôturer. Voilà. La présentation de tout un chacun. Partir d'ici. La soirée, elle est plus comportée. Et comme
Bon, mesdames et messieurs, la dernière image. Ok. Mesdames et messieurs, je vais conclure. Je vais faire la conclusion demain. Je vais finir demain. Vous voyez, là, nous venons de faire un échec. Il n'y a pas de sapeurs. Les sapeurs sont là, les sapeurs n'ont pas été payés.
Et c'est en ce moment-là que je vais maintenant m'avancer vers Elvis et je m'accueille le dictionnaire de la sable. Je lui dis, mais mon frère, mais tu es intelligent. Si tu as travaillé pour ce magazine Griffe, qu'est-ce qu'on attend pour créer notre propre magazine? Tu es le dictionnaire de la SAP, je suis le ministère de la SAP. C'est de là que nous allons maintenant avoir l'idée, que nous allons maintenant travailler ensemble pour arriver jusqu'au magazine de l'officiel de la SAP. Et là encore, il n'a pas payé mes petits. Et qui a travaillé, c'est moi. Qui fait le documentaire, c'est moi qui réalise le sapeur de terroir. Si je n'avais pas ramené la caméra, si je n'ai pas payé Guy Fayel les coulisses et en même temps la nuit de la sape annulée, nous n'aurons pas d'archives. Mais aujourd'hui, nous avons des archives. Je terminerai demain et je vais faire la conclusion demain. Les intellectuels sont en train de mal gérer la sape. Il faut qu'on prenne nous-mêmes maintenant la sape à notre disposition, mesdames et messieurs. Je finirai ce dossier demain, je vais conclure demain, j'ai encore quelque chose à vous montrer demain, et je vais prendre la conclusion demain. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs, les faits sont têtus, pratiquement 3 ans plus tard, je vous montre ce qui se passe, les coulisses. Vous croyez que la salle, c'est seulement... Non, il y a une guerre, il y a une guerre de leadership. À demain, mesdames et messieurs. Monsieur Bakila Aimé, je te dis merci, Guy Baguette, merci. Je dis bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde et à demain, merci.